Je suis très 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 content et surtout gagner avec un cheval que je découvre depuis 2 semaines, vraiment. On l'a acheté fin mois de septembre. Vraiment, on a fait les choses très vite, mais c'est un cheval que je suis depuis le mois de mai. On était en négociation et voilà, on l'a acheté fin septembre et il est arrivé vite pour Rabat. On savait que les chevaux étaient prêts, il a bien voyagé, on a géré le transport, donc il n'y avait aucun problème. Il sait lire et écrire, comme on dit. Il a tout fait, il a 12 ans, il a tout fait, plein de sans faute avec Alexis Dorowick qui monte super bien, que je tiens à remercier pour ces deux conseils parce que je l'ai appelé juste quand je l'ai reçu. J'ai dit, je vais faire le Grand Prix de Rabat, je ne sais pas quoi mettre comme mort. Il me dit, mets un filet simple ou si tu veux, mets une bride, mais t'inquiète pas, ça va aller tout seul. Je sais qu'il est très très respectueux. J'avais qu'une chose à faire, c'est de bien piloter et de garder la tête froide. Voilà, c'est tout. Juste avant l'entrée, il y a Marcel Delestre qui me dit « Si tu veux gagner un peu de temps, tourne juste après le double. » Mais je ne savais pas que c'était trop serré. Et le cheval, franchement, dès que je lui ai montré qu'il fallait tourner là, il a fait ça trop vite. J'étais surpris. Il fallait tomber, tiens. C'est pas facile d'amener un cheval que tu connais pas au pied levé et paf, tu s'en fous à Rabat, il répète, il est classé le vendredi ici, s'en fous aujourd'hui un Grand Prix difficile et tu gagnes, bien sûr. Bien sûr, il y a de l'émotion, oui.